Voilà, connu, pas connu, des gens qui veulent se lancer, oui. Direction artistique, management, de ma petitesse. Très bien. Et ingénieur son. Voilà. Et tu fais une collaboration aussi avec ton collectif et des artistes de banlieue. Tu aimes bien les banlieusards? Pourquoi? Oui, plus ou moins non. On va dire que je suis tout horizon. Oui, hein? Je suis horizon. Tu prends tout ce qui passe. Ouais, tout ce qui. Ouais. Tu as participé aussi à une BO d'un court-métrage. Oui, sur l'illettrisme. Oui, alors ça s'appelle Le bonheur appartient-il à ceux qui savent lire? Exactement. C'est bien sur l'illettrisme. Super top, ouais, super top. C'est-à-dire c'était à la Fnac, si ils ne savent pas lire, du moins. Et c'était à la Fnac, c'était un petit contrat sympa, ça m'a lancé. Oui. Et là, ça s'aime, ainsi de suite, c'était super. C'est sympa. Alors, tu recherches un retour aux racines de la musique, de ta musique. C'est ça ou de la musique? De la musique. Oui. Parce que ma musique, ce serait trop personnel. La musique est universelle. Donc tu recherches ce genre de racines.